département de la Gironde, on s'en bat. Oh. Allez, 73-51, 14 km, 33-01 également en fréquence. 14-8-2-1567, département 59, la ville de Maubeuge vous salue. Le département 33 vous salue également. L'opérateur Jean-Michel à votre écoute. Opérateur Rémi, me semble. Affirmatif, 14 km, 33-01, opérateur Rémi ou Dandy 33 en QRZ local sur la Gironde. Ok, d'accord, bah justement je suis en train d'en faire une et là je suis assez étonné puisque la propague est arrivée d'un coup. J'ai lancé quelques appels avant ça, c'était le silence radio, sauf du côté des 40 canaux avec les Américains, ceci, cela, qui passent plein pont en AM. Je suis monté ici parce que je sais que Daniel, 14 km 33-06 de mémoire, doit pas être loin. Et du coup, je suis monté là pour voir, j'ai lancé quelques appels, c'était le calme plat, et puis paf, d'un seul coup, la propague a monté. 157 à l'écoute, la Champagne, les 73-51 à vous, de la Gironde, dans les vignobles, puisque je suis sur le secteur de Saint-Émilion, là. Je me descends sur Bordeaux. Ok, pas de soucis, opération aussi, 14-8. Ah, je suis en plein village, là, je suis en train de traverser un village plein de QRM. Les 73 retournés, 14 PAT, 3 petits points, du coup les QRM ont couvert. 857, 14 PAT, 857, la Champagne, La ville de Reims, 857 pour la ville de Reims. Ok, reçu. Eh bien, je ne sais pas si d'un seul coup on aura le Québec en fréquence. Et là, ça serait la cerise sur le gâteau. Ah ben là aussi, hein. D'ailleurs j'ai monté un petit peu le volume, parce que ça arrive dans le coup, j'ai un petit peu de bruit, mais ça passe très bien de mon côté. Hein. Là je suis vraiment surpris, là, d'un seul coup, paf, les départements français qui arrivent comme ça, tac, c'est assez stupéfait, là, alors qu'avant ça, comme je disais tout à l'heure, j'aimais rien. Merci, ben pour l'instant c'est bonne route jusqu'à Bordeaux. Ce soir je m'en vais bosser ben sur Bordeaux Nord, Bordeaux Lac, hein, de ce côté-là. Quoi. Ok, bonne journée. Et donc toi là tu es au QRA là j'imagine. Ah, affirmatif, je suis au QRA avec un CRT 9009 et puis il rentrait. Ok, bah ça marche bien, hein, une bonne modulation, bien propre et tout. De mon côté, là, c'est le Lincoln 2 Plus avec comme antenne la Wilson 5000. Bah, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de soucis. Hein. Très bonne radio. Hein. Bah, merci, je suis avec le micro d'origine en plus. Hein. Bah, ok, bah moi c'est Delta Master Plus. Ok, ben, il marche bien. Il y a d'autres stations aussi sur la fréquence, là, qu'on a entendu au début, puis là, plus rien. Je sais pas, je vais retourner le micro, parce que je pense qu'il reste en stand-by derrière, le temps qu'on papote un petit peu. Donc, je voudrais leur repasser le micro, s'ils sont toujours là. Oui, les Ardennes, les 73 de la Gironde, 14 km 33-01 Rémi, en mobile actuellement, entre ben, à côté de Saint-Émilion, en direction de Bordeaux. Bien reçu pour Saint-Émilion, direction Bordeaux. Voilà, vous émettiez les bons centres, c'est la ville de Charleville, de Mézières, donc dans les Ardennes, de la Belgique. Ah oui, ça passe bien, oui, oui, effectivement, là, la propague, le couloir est vraiment là, dans ce sens-là, ça passe bien.
Ouais, nord de France, sud-ouest, là ça passe vraiment bien quoi. Je confirme, un signal de 7-8 pour moi et une radio de 4 sur 5, voilà, donc je confirme, ça passe très très bien, voilà. Belle région, que votre région, une très belle région, que est-ce? Ouais, mais il fait très chaud, tiens, encore aujourd'hui, on a eu à 30 degrés là, ici, sur la région. Donc, je sais pas si la vôtre, je pense, sera peut-être meilleure côté température. Ah, mais aujourd'hui, une température de 22-23 degrés avec un beau petit soleil quand même. Voilà, voilà. Mais bon, on peut appeler ça ici l'été indien, voilà. Oui, ah ben là, ici aussi, hein, c'est l'été indien, mais été indien côté chaud. Hein. Ah, chie trois coups. Là, c'est vrai que c'est assez étonnant. Puis, vu la météo qui est annoncée là, pour le sud-ouest, ça risque de durer encore, là, ces températures. Affirmatif pour ça, oui, c'est ce que j'ai vu aussi à la météo. Bon, donc, on va moins de chauffage, hein, parce que ici, voilà. Il faut qu'on chauffe un petit peu, voilà, voilà. En tout cas, vous passez très bien. Ok, merci. Je pense que vous avez relâché le micro. Je suis en train d'arriver là dans un autre petit village qui est aussi tout autant saturé de QRM. Du coup, là, j'ai un peu perdu tout le monde. Le temps de sortir de ça. Voilà. Alors, pour le nom du petit village que je suis en train de traverser, là, il s'appelle les Bigarous. Et oui, comme les cerises, pareil. Hachi. Et là, je suis en direction de Libourne. Voilà là où j'en suis là, au niveau de ma progression là, pour aller vers le travail. Alors si d'habitude je travaille sur le secteur de Saint-Émilion, là ce soir c'est du côté de Bordeaux que je vais. Et la semaine prochaine j'ai vu que je vais aller me promener du côté de Mérignac. Ah ben ça a l'air d'être un beau métier ça, c'est au beau travail. Ah ben alors dans la blagounette je vais dire que je fais du travail au noir. Je travaille principalement la nuit, à chi trois coups. Beau métier, non, je dirais pas ça, mais bon, il en faut quand même, je suis agent de sécurité. Ah, mais bien sûr qu'il en faut, surtout ces derniers temps, il en faut beaucoup même. Voilà, voilà, c'est un métier facile, je pourrais dire, voilà. C'est un métier facile, oui, c'est un métier facile. Certains disent que c'est pas facile, bon, ça dépend des conditions. Ça dépend, en journée c'est moins facile, en journée c'est surtout du côté des magasins que ça se passe et tout ça, avec la bonne humeur bien à la française qu'il y a, je suis en train de ralentir, hein. Avec la bonne humeur bien à la française qu'il y a chez nous, moi en nuit je suis beaucoup plus tranquille, et effectivement la nuit je suis roi carotte. Ok, la propague est en train de tourner là, on dirait. Remarque, il y a aussi le fait que je me déplace. Et là, je suis en train d'arriver à l'entrée de Libourne. Là, je suis en train d'arriver de ce côté-là. Donc là, il y a du QRM, il y a de tout un peu dans ces coins-là. Il y a un petit peu tout en même temps, mais visiblement, la propague a l'air de tourner avec. Ah oui, ah ben ça marche bien. Ah oui, ça marche bien. Mais de mon côté, c'est le Lincoln 2 Plus avec comme antenne la Wilson 5000, plus un petit peu de puissance derrière. Alors là, je vous ai complètement perdu. En plus de ça, j'arrive sur Libourne. Donc, le temps de traverser un bout. Et je reviens là en fréquence. Parce que là, de mon côté, ça va être complètement saturé de QRM. Donc, je reviens là d'ici quelques instants en fréquence. Ouais, Rémi,
bonsoir, ben 14h30, 50. Bonne soirée pour vous, pour le boulot, j'ai une garde pour liquide. Bonne soirée, à la prochaine. Waouh, là c'est passé fort là. Ah ben là, je suis en plein, je m'attendais l'inverse. Je me suis dit, bon, là, avec les QRM qu'il y a du côté de Libourne, ça va plus passer du tout. Et là, ça passe plein pot. Bon, ok, d'accord, les 73-51. Eh bien, je continue à rester en fréquence. D'habitude, je suis sans arrêt embêté par les QRM dans cette zone-là. Et là, ce soir, c'est tout l'inverse. Hachi, ça doit être les fils électriques, les lignes électriques qui me servent d'antenne filaire, là, pour le coup. J'ai plus qu'à accrocher mon antenne verticale dessus, et puis ça sera tout bon. Ok, bon gastro pour moi, ben là c'est déjà fait, un peu tôt mais c'est déjà fait. Bon gastro solide, liquide, bonne soirée, bonne tank Victorine, bon 144 ou 144 plus 2 à suivre. Et merci pour le petit contact. Merci, oui, bonne soirée, à bientôt. Ah oui, putain, la vache, je suis bleu, comment ça passe? Merci, bonne soirée. C'est que des X, appel en direction du Québec-Canada, appel en direction de 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 3301, Rémi qui lance appel. Ça passe fort, hein. Alors c'est normal, j'étais en plein sur le pont de la rocade de Libourne, ce pont engendre la Dordogne qui passe en dessous, et là en plus, là, vu le niveau d'eau, ça doit être la marée haute. Hein. Alors il y a eu un tout qui a fait que oui ça peut que passer. Hachi, pourquoi j'ai dit ça pue? J'ai pas été sentir. En ce moment j'ai un coucher de soleil là juste devant les yeux là qui est pas mal sympa là sur les nuages. Ok, 73, tu m'arrives 9 plus 20 sur le département 54, la Meurthe-et-Moselle. Oh Hachi, alors que là, tu vois, là, je suis dans mon bouche, tranquille. Et en direction du Pro, ce soir, je vais me promener du côté de Bordeaux, Bordeaux Nord. Ouais, je vais bosser ce soir de ce côté-là. Et ben non, là, je suis. Là, faut pas le dire, j'ai une antenne directive sur le toit du bouche. Je vais diriger de ton côté, Hachi. Ouais, qui passe pour un bas, écoute, ça marche très bien de ton côté, là, ça cartonne, hein. Voilà, moi je me trouve à quelques kilomètres du centre de la frontière luxembourgeoise et la Belgique, hein. Je suis collé entre les deux frontières. Et la région où je suis, là, c'est la ville de Longueuil. Voilà, QSL. Ah, pour avoir QSL, c'est même plus QSL. Je confirme même la QSL, Hachi. Ah oui, ça passe vraiment bien, ça. Passer plus fort, ça serait compliqué. Hein. C'est oui, affirmatif, oui, je vois très bien vers où c'est. Ah, ok, pas de problème, je vais te donner un peu les conditions d'amusement là. Là, je suis avec une Delta Loop 2 éléments, je suis même à peu près à 210 degrés. Le micro est un micro studio qui est branché sur un equaliseur iconien là. Et le transceiver et le ICOM 7600, il n'y a pas de pétard derrière. J'ai la puissance du poste QSL. En plus sur antenne directe. Alors Delta Loop 2 éléments. Oh mais ça me parle. Oh mais on s'est déjà attrapé en fréquence. Oh oui, ça me parle beaucoup ça. Des Delta Loop 2 éléments, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qu'on ait une. Qu'il y en ait quelques-uns, bon d'accord. Mais là quand même. Ouais, ça me parle beaucoup. Surtout, ouais, ça passe bien. Hein. Ah, ça, c'est clair. De mon côté, c'est le Lincoln 2 Plus. Et comme antenne, la Wilson 5000 au centre du toit. Et là, je suis actuellement là, sur la rocade de Libourne en direction de Bordeaux. Ah, la propague a changé de direction.
ne sais pas ce qui s'est passé. La propague a tourné d'un coup, là. Ou alors, c'est vous, votre antenne, qui a décidé de tourner ailleurs. Ceci expliquerait cela. Et du coup, là, ben, vous, entre guillemets, vous tirez dans le vide. Bon, ok, c'est pas grave. La station, si par hasard, vous m'entendez quand même derrière. Les 73 à vous, 14 km, 33-01 Rémi, sur la fréquence du groupe québécois des Tannants. Dommage que Gilles ne soit pas là derrière, parce que ça lui ferait bien plaisir, là, à cette heure-ci, là, justement, de voir du monde. Et là, moi, sur ma gauche, voilà, j'ai un joli coucher de soleil, là, avec des jolis reflets, là, sur les nuages et tout, ça. C'est Gilles, t'as pas ça de ton côté, hein. Je sais, tu me l'as dit. Bon alors, qui c'est, qui y aurait d'autres en fréquence pour 14 km 33-01 Rémi sur le groupe québécois des Tannants? Eh bien, on dirait que la propague est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Je me suis fait surprendre tout à l'heure, comme là, je me fais surprendre tout pareil. Attention, 14 km, 33-06, Daniel, senteur pour 14 km, 33-01, Rémi, Dandy, 33, qui t'appelle en mobile, depuis la roquette de Libourne. Les bruits de bande et tout, le poste il fonctionne toujours, il n'y a pas de problème. On finit par se poser des questions quand on ne sait plus rien comme ça. Attention, 14 km 33-06, 14 km 33-06 pour 14 km 33-01 qui t'appelle. Il y a quelqu'un derrière. Ça chuchote derrière. Ah, j'ai entendu quelqu'un très très QRP là dans le lointain. Impossible de savoir qui c'est tellement que c'est QRP. Les 73, la station, 14 km, 33-01 Rémi, sur entre Libourne et Bordeaux, en mobile. Ouais, 73 la station, 14 km 33-01 Rémi, en mobile entre Libourne et Bordeaux. Ok, je pense qu'il a demandé à la personne qui est avec lui de passer en QSY, j'imagine. Ça doit être ça, je n'ai pas tout compris. Je suis en train de rouler en même temps. Ok, au cas où la personne serait toujours derrière, les 73, 14 km, 33-01 Rémi, voilà sur la fréquence du groupe des Tannants. CQ DX, appel de 14 km, 33-01 opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence du groupe des Tannants du Québec. Il y a quelqu'un derrière. J'entends quelqu'un en vraiment QRP là derrière, c'est vraiment inaudible de mon côté, je peux même pas dire radio 1 parce que ça serait, ouais, allez, radio 1 demi-point de mon côté tellement que c'est QRP. Les 73 de la station, c'est vous de votre côté, vous arrivez à m'entendre de 14 km 33-01 Rémi, en mobile entre Libourne et Bordeaux. La
vache. La propague est tournée. Hello, CQDX calling, CQDX calling, CQDX. This is 108 Division Tango Papa Unit 6 calling, CQ. 108 Division Tango Papa Unit 6 calling, CQ. And standby on 520. QSY on 520. 520. Thank you. Un peu précis lui des fois hein. CQDX appel de 14 km 33 01 Peratavelli qui lance appel sur la fréquence du groupe d'Étanant depuis le sud-ouest de France. J'ai entendu QRZ, les 73 stations, 14 km, 33 01 Rémi, qui lance appel sur la fréquence du groupe d'Étanant depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. C'est un... C'est tout petit. Et là, je suis dans une culette. Tester leurs amplis, canal 6, canal 11. Lâchez-vous! Bing, bing, bing! Ouais! Ouais! Allez, faut. Que je retrouve. CQDX, appel de 14 km, 33 01 opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence du groupe d'Étanant du Québec depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. J'ai entendu quelqu'un. Oh, mais ça serait pas la Suisse, des fois, vu l'accent. Je sais pas. Les 73 à station, 14 km, 33 01 Rémi, Dandy 33 en mobile.
sur le sud-ouest de France, département de la Gironde, aux portes de Bordeaux. J'ai cru. Non, c'est pas Gilles. Attention, 9, bravo Charlie 555. 9, bravo Charlie 555 pour 14 km. 33-01, Rémi qui t'appelle. Si c'est pas toi, c'est la même voix. Ouais, c'est très très. C'est trop QRP là de mon côté. Impossible de comprendre, mais Gilles, on dirait ta voix. Je pense que c'est toi, oui, on dirait bien. Alors, là, c'est la cerise sur le gâteau. Et le gâteau, il a foutu le gant. Et zut. Ça y est. Oui, ça y est, c'est dans la boîte. Jeté dans la boîte, c'est bon, Gilles. Les 73-51, mon ami, les 73-51, Frangin. Rémi Dandy 33 en mobile, à ce moment-là, je suis en train d'arriver sur Bordeaux. Affirmatif, je m'en vais au travail, j'ai encore du temps devant moi, je m'en vais au travail sur Bordeaux Nord. Donc là, dans quelques minutes, là, je vais passer là sur le pont d'Aquitaine. Je risque de casser quelques oreilles en passant dessus, à J3 coups. Oui, t'es aussi un petit peu loin, t'es aussi dans le fond de la boîte, mais t'es quand même dans la boîte, Hachi. Là, je suis en train de faire une vidéo, donc c'est bon. Eh bien, ça fera ta vidéo d'aujourd'hui, plus qui va se compléter avec ça, plus moi la mienne que j'aurai à travailler. Demain, j'ai de quoi m'occuper, je suis content, j'aurai pas le temps de m'ennuyer. Je sais pas si tu m'entends, mais là je suis sur la rocade là, de Bordeaux. Voilà, comme tu le verras là sur la vidéo, je suis en plein sur la rocade de Bordeaux. C'est un petit peu dans le creux là de ce côté-ci. Donc là, si tu m'entends pas, ben, c'est normal. Ah si. Ah, ça y est, je t'entends à nouveau. Je pensais t'avoir perdu là où je suis. Non, ça passe à nouveau. Donc, tout à l'heure, il y a eu du monde derrière. Hein. Il y a eu des départements français qui sont passés et tout ça. Tu verras ça aussi dans la boîte, dans la vidéo. Et puis, et paf, c'était retombé. Et puis là, c'est parti sur toi. C'est nickel. Je suis toujours là. Attends, je suis en direction, du pont d'Aquitaine. Là, je pense que là, si la propague le veut bien, dès que je serai dessus, je pense que là, ça va le faire. Ah tiens, avec toi, on a un siffleur du Brésil là, qui est en train de passer. Ah tiens, ça fait le yo-yo, mais bon, c'est normal, je suis en train de rouler. Ouais. Puis en plus, tu auras droit là, sur la vidéo avec un coucher de soleil. Qu'est-ce que je fais là? J'arrive.
suis en train de monter le pont d'Aquitaine. Voilà, là je suis au-dessus de l'eau, je suis sur le pont d'Aquitaine. Les 73-51, tous les tannants là du Québec et tout ça sur le 27-625. Retour de micro. Oh ben ça y est. Retour de micro à toi, pas que je suis sur le pont. Gilles. C'est dans la boîte, c'est pas passé aussi fort que je le croyais, mais c'est dans la boîte quand même. Les 73 sont tournés également à la station dernière de 14 km, 33-01 Rémi, en compagnie de Gilles, 9 Bravo Charlie 555, qui lui est sur le Québec. Avec les QRM que j'ai ici sur le pont d'Aquitaine, tu verras, c'est pas évident là pour entendre quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que côté météo, ben aujourd'hui ça a été 30 degrés là ici sur la Gironde, grand beau temps. Côté propague, c'était surtout l'Espagne, les environs de l'Espagne par là qui passait. Et là ce soir, ben ça y est, c'est nickel, c'est super. Ah là j'arrive en bas du pont d'Aquitaine. Oui, ce soir je vais travailler là sur Bordeaux Nord. La semaine prochaine j'ai deux vacations du côté de Bordeaux Ouest sur Mérignac. Bon là je l'ai perdu. À tout hasard, est-ce que 14 km 3306, Daniel, tu seras en fréquence pour 14 km 3301, Rémi, en compagnie de 9 Bravo Charlie 555, ainsi que toutes les autres stations qui sont derrière. J'entends plus personne, hein, Gilles, de mon côté. Hein. Là, j'entends plus personne. J'espère t'entendre encore un petit peu là pendant quelques instants. Ça serait pas mal cuiro, mais bon, j'ai l'impression que là, la propague est partie ailleurs. Ouais, les 73, la station, 14 km 3301, Rémi. Ah, si ça passe toujours. Oui, la station qui a répondu, les 73 retournés. Bon, tant pis, ce fut court, mais ce fut bon. Bon, je suis en train d'arriver là dans le secteur de d'Auchanlac. Voilà où je viens d'arriver là, Bordeaux Nord, Bordeaux Lac, Auchanlac. Moi, je suis en avance. Attention, hop, j'ai entendu un Roger Bip. Oui, en avant, le Roger Bip, c'était très, très QRP de mon côté. Les 73, 14 km, 33-01. Rémi en mobile sur Bordeaux Nord. C'est que je t'ai reconnu Gilles derrière, mais t'es complètement noyé dans les QRM pour ma part là de mon côté. Vu que je suis en avance, je vais voir si je peux me mettre du côté là du lac de Bordeaux Lac, là de ce côté-là, en faisant gaffe à l'heure quand même, et tenter la chose.
côté QRM, c'est le bordel à Bordeaux. Non, juré, ils sont en plein milieu du repos, comme ça c'est assolé. Il faut que je trouve quelque chose. Attention Gilles, est-ce que ça passe là? Est-ce que je vais arriver à t'entendre là? Je suis sur le bord, à côté du lac de Bordelac. Je sais pas là si ça passe. J'ai une voiture derrière, dommage. Attention, 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 33 01 Rémi qui te lance appel dans les QRM sur le Bordeaux Lac. Waouh, c'est QRP, c'est ouais, j'ai pas trouvé le meilleur endroit là, on dirait. Zut, je vais essayer de bouger là parce que là ça va pas le faire. C'est un peu compliqué là de mon côté. J'avais oublié à quel point il y avait des QRM ici. Quoi. Kilomètres 33 50, les 73 14 km 33 01 Rémi sur en mobile sur Bordeaux Lac. Oui Rémi, alors tu arrives du côté de Bordeaux Lac, c'est bien ça? Voilà, là je suis sur Bordeaux Lac, je suis en train d'essayer de me trouver un endroit où je vais pouvoir me stationner un petit peu le temps, je suis en push hein. Voilà, le temps d'en profiter là quelques minutes avant d'embaucher. Ok, ben écoute, je te reçois avec un signal de 6, une radio de 4, tout à fait correct. Radio 4, ah, tiens, c'est le deuxième qui me dit là aujourd'hui que c'est une radio de 4. Le premier, c'était quelqu'un du département 50 et quelques par là. Donc, il faudra que je vois du côté de ma modulation s'il n'y a pas un problème. Oui, bah écoute, après ça passe pas trop mal, mais c'est vrai que bon, je pense que ça doit dépendre aussi du relief. Le relief doit y faire. Est-ce que tu peux me faire un retour du signal que tu as, s'il te plaît? Alors attends, là je me suis arrêté. Alors je me suis stationné là justement là au niveau de Bordelac, en face des bureaux. Là il y a un petit renfoncement, si tu connais, là où il y a des véhicules qui se stationnent. Je vois un chapiteau à côté et tout ça. Je suis à côté, pas loin d'un croisement avec tous les immeubles du GIFCO et tout ça là en face de moi. Alors attends, je mets mes lunettes. Voilà, vas-y, reviens-moi s'il te plaît. Avec une radio de 5, on s'adresse un petit peu. Ok,
Bah, c'est du 55, voilà, de mon côté. Voilà, là je suis arrêté, là je me suis mis comme ça, tac, pour gêner personne. Ok, c'est du 55 là de mon côté, là sur Bordeaux-Lac. Bordeaux-Lac, bah oui, je suis sur le bord de la route là qui longe le lac là, du côté des immeubles. Si tu vois là, là où je veux dire. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il nous a dit, mais il m'est arrivé assez fort. 14 km 33,50, si tu es toujours derrière, que tu as parlé, bah, il t'a surmodulé. Oui, je l'ai entendu arriver, donc j'ai attendu un peu. Bah, écoute Rémi, bien reçu, je te souhaite bon courage pour ce soir, pour cette nuit plutôt. Bon courage, et puis je te dis à la prochaine, je serai tenté de faire un test quand tu seras à ton QRA, ça sera intéressant de voir jusqu'à 500 millions ce que ça donne. Ok, eh ben, ou plus précisément Sainte-Colombe, puisque je suis à 10-12 km après Saint-Émilion, 5 km de Castillon-la-Bataille. Ok, pas de problème, hein, je suis partant pour faire un test, hein, bien entendu. Heureusement encore, Hachi. Après, ça va être au niveau temps. Demain, je sais que pour l'emploi du temps, demain, c'est cramé. Je m'occupe en même temps là, des vidéos là, de Gilles, 9 Bravo Charlie 555. Il en a déjà envoyé là chez moi, là sur mon serveur, là tout à l'heure. Plus là, il doit être en train d'en faire en ce moment encore. Plus moi, là je suis en train de faire également là une vidéo là au fil de la route, et plus là en ce moment. Et donc tu pourras voir dedans là ce que ça donne, ça sera vraiment super. Est-ce que c'est vrai que l'aéroport, c'est bien beau? Ok, on a l'appréciation de la personne. Mais quelle idée on s'en fait, on ne sait pas trop. Donc là, tu pourras voir par toi-même, directement là dans le push, là ce que ça donne. Ok, bien reçu. Bah, écoute, merci beaucoup. Je ne manquerai pas de regarder cette vidéo. Je te souhaite bonne soirée, 73-51 à toi, et puis je te dis à la prochaine. Ok, je vois 20h35, ouais, vu le boulot que la mission qui m'attend ce soir, je dis mission parce que je suis agent de sécurité Hachi. J'ai un truc un peu particulier ce soir, ouais, je vais me rapprocher. Donc je vais passer en QRT, les 73, les stations en fréquence, les 73 à toi, 14 km 33,50, les 73, 9 Bravo Charlie 555 qui est également derrière, ainsi que les autres stations en stand-by derrière. Dommage que 14 km 33,06 n'ait pas été là. Bon, il n'a pas eu le temps apparemment. Et là, il faut vraiment que j'y aille. Je papote, je suis infernal quand j'ai le micro à la main. Bah, je ferai pas de la radio hein, si j'aimais pas ça papoter. Merci à tous, bye. Alors, comment ça se présente? Oh d'accord. Le mec il a un fond de première pour faire ronfler son moteur au maximum. Encore du gros blaireau ça. Avec une voiture de sport qui coûte hyper cher. Tout à l'heure, quand j'entendais des gloussements comme ça derrière, oh, j'ai aussi ça. Il y a des chances que Gilles l'entende de ce côté.
capable d'entendre n'importe quoi. Faut pas fort les mecs là. Alors